Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, blogueuse pour Les Trouvailles. Alors aujourd'hui, c'est la créativité, le rendez-vous à la créativité. C'est mon cours en ligne gratuit que je vais vous présenter aujourd'hui. Comment réaliser cette jolie carte. Et puis, on peut voir comme ça qu'elle se glisse. Et ensuite, on peut l'ouvrir. Et voilà! Voilà la belle petite surprise. Puis là, je disais, oh mon Dieu, on pourrait même le refermer, puis le refaire, puis on verrait un autre message aussi. Alors, c'est vraiment libre à vous à quel message vous voulez qu'il apparaisse et à quel niveau de la carte. Alors, de ce pas, je vais commencer à faire le projet. Puis là, je vais juste regarder parce que là, j'ai aligné mon téléphone. Il est sur mon nouveau système, puis mon bureau, comme vous pouvez voir, il est très à l'envers. Puis là, je trouve que ma caméra est trop haute. Alors, on va juste, parce que je me suis accrochée une couple de fois en faisant du ménage avec mon atelier. Puis là, bon. Alors là, il faut juste que je me réajuste. Puis que je peux encore rapprocher. Mon Dieu, c'était comme bizarre parce que j'ai fait un enregistrement de la vidéo, une vidéo. Puis c'est drôle parce que c'est ça, j'avais mis mes marques ici. Puis c'est bizarre parce que l'angle n'est pas pareil. C'est-tu donc bizarre, hein? C'est pas pareil que comment on fait une vidéo. Bon, en tout cas, OK. Alors là, je vais juste mettre mon application ici, iPad, de côté. Je vais fermer le son de mon autre iPhone pour que ça fasse des problèmes de volume. Et puis, je vais apporter ça comme ça ici. Ça, c'est le code d'hôtesse qui va être bon jusqu'au 9 septembre. Si jamais vous avez un intérêt à vouloir acheter des produits Stampin' Up dans ma boutique en ligne. Et puis, on n'oublie pas que si jamais vous achetez d'ici jeudi prochain du matériel en ligne sur Stampin' Up dans mon lien à moi. À ce moment-là, vous allez recevoir le matériel pour réaliser le projet d'aujourd'hui. Et je m'en vais tantôt ma manucure. Là, ça fait vraiment du maison. OK. Alors, je vais remercier, première des choses, Connie Stewart, qui est de Simple Stamping. J'ai vu ça cette semaine, cette vidéo-là, puis j'ai dit, ah, je veux le faire, cette carte-là. Alors, elle offre le tutoriel gratuitement, si vous allez sur sa chaîne. Mais moi, je vais vous fournir une fiche technique en français de ce que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. Alors, la première chose que je fais, c'est que j'utilise... Que je vais faire, c'est vous présenter le matériel que j'utilise aujourd'hui. Alors, c'est le Perennial Lavender. C'est le papier dessin lavande vivace qui est toujours disponible. Il est vraiment beau. Moi, je suis partie sur ces couleurs-là pour faire plein de projets. Je l'adore. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, j'utilise le jeu des temps Painted Lavender. Et puis, j'ai sorti un vieux jeu qui était de Celebration, je ne sais pas quelle année. Puis, c'était la vente. J'ai dit, ah tiens, je vais le sortir, puis je vais essayer de m'amuser aussi avec, reprendre ce jeu-là, puis m'amuser, peut-être l'intégrer à lui. Puis, lui, ben, ça peut venir avec le lot, c'est-à-dire qu'on peut acheter les poinçons qui vont avec. Alors, c'est vraiment le fun. J'utilise aussi l'étang des canards pour... les souhaits. Bonjour à toi. Et puis, un autre que lui, je pense, il retirait l'instant présent parce que j'aime beaucoup les messages. Je ne veux pas m'en débarrasser. Je ne suis pas prête à m'en débarrasser encore de ce jeu-là. Et puis, j'ai utilisé aussi une perforatrice. Vous allez voir, vous pouvez utiliser la perforatrice de votre choix ou le poinçon de votre choix pour faire le trou où ce que le message passe. Alors, je pense que c'est pas mal tout. Alors, je vais commencer ici, puis je vais vous montrer. Alors, il y a une carte à l'intérieur qu'on fait de l'estampage, puis il y a à l'extérieur. Alors, on va utiliser Horizon de bruyère, Lagon lointain, Fraisien en fleurs et Brune dune sont les couleurs. Le ruban, j'ai sorti des rubans c'est des rubans retirés. Puis là, je me disais lequel je vais utiliser. Finalement, j'ai utilisé le ruban, c'est de cuvée de cassis. C'est dans les teintes, justement. C'est le papier cartonné cuvée de cassis qu'on utilise. Alors, c'est un 8,5 par 4
Non, c'est un 11 par 4 qu'on va embosser à la moitié, 4 et 5,5. Ensuite, un papier design pour faire la petite pochette. Et puis, celle-ci, elle est 3 1/4 par 8. Comme je vous dis, je vais avoir la fiche technique pour vous donner les mesures et tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Ensuite, 2 cartons base de blanc et 2 de la même couleur qui est brune dune. Alors, brune dune, c'est 3,5 par 5, mais vous pouvez le faire selon votre goût. Et puis, lui, il est 3 1/4, donc par 4 3/4 pour faire un effet d'encadrement. OK. Alors, on va commencer, puis on va faire de l'estampage. Là, je sais que... OK. On va commencer par estamper notre base blanche. Alors, je vais prendre un quart de ma feuille papier tablette quadrillé que je vais devoir me commander d'autres parce que là, je viens de réaliser que j'ai plus de tablette. Il me restait juste ça, puis ils sont légèrement maganés, endommagés. OK. Alors, on commence. On prend une feuille brouillon en dessous pour justement être capable, être en mesure d'estamper, mais de dépasser un peu dans le bas. Et puis, j'y vais comme en faisant, on dit en anglais, en bon français, second generation aussi, c'est que je vais estamper deux fois, une fois à l'encre et sans encre ensuite. Alors, j'y vais avec le plus foncé des mauves pour la base. Et puis, on y va comme ça, puis... Oui, on va comme ça. Puis, je descends un peu de mon carton. Comme ça, on voit que ça a dépassé. Bon, ça paraît même pas sur le papier. Puis, regardez, je suis second generation. C'est que j'aurais arrivé. Puis, je réappuie par après. Puis, regardez, ça fait du plus petit, plus pâle. Puis, j'aime ça. Alors, je vais commencer comme ça ici. Puis, lui, je vais le faire comme ça. Et puis, là, je vais y aller comme ça. Voilà. Alors là, j'ai fait un petit boubou. Ça veut dire que ça va être mon message que je vais estamper là. À l'extérieur, probablement. Mais ça pourrait être à l'intérieur aussi. En tout cas, voilà. On commence avec la... C'est ça, la base. Ensuite, on y va... Pardon, avec les fleurs. Alors, les fleurs... Oh, je me suis trompée. C'était supposé être vert. OK, on retourne. On retourne. C'était... Lagon lointain pour l'herbage, puis après ça, on y va avec les fleurs. Mais c'est beau comme ça, moi je trouve ça beau. Ça fait beaucoup plus... Alors, je pense que ce que je vais faire, regardez, je vais en refaire avec du vert par-dessus. On va voir que ça va donner un caillage. Alors, je vais juste laver mon étang, je la rince sous l'eau et je vais y aller avec lui. Et on verra bien. Alors, je vais estamper comme ça ici, puis je vais y aller comme ça ici. Moi, j'aime ça. Ça fait beau. Ça fait changement. OK. Alors, on y va comme ça. Puis, j'y vais en second generation, puis je trouve que ça ne paraît pas tellement le... Voilà. Oh, j'aime ça. Bon. OK. Alors, voilà. On a fait les deux, puis je me suis vraiment beurrée, là. Alors, j'ai fini avec la base. Ensuite, je vais y aller avec les fleurs. Alors là, je vais serrer ça pour faire de la gaffe. Puis, je vais y aller maintenant avec mon mauve plus foncé. Puis là, je vais aller y mettre des fleurs. Puis, on peut jouer. Puis, encore une fois, regardez, moi, j'aime bien ça, là, d'y aller en second generation, d'y aller comme deux fois. Ça remplit un peu... l'intérieur. Moi, j'ai vraiment manqué mon coup. Hein? Ah! OK. Je m'assure de toujours bien nettoyer mes petites étampes ensuite de l'utilisation. Là, il y avait l'autre petit ici, que c'était les petits picots. C'est comme si c'était le bout des tiges. Et puis, je ne suis pas très folle de ça. Mais, fait que
Oh, puis lui, c'est en plus pâle. Fait que là, on va terminer. Ça, c'est pour le message. Je vais le conserver avec le message. Et puis là, lui, c'est pour le freesia. C'est pour les petites fleurs plus pâles. Alors là, ça, je vais juste donner quelques coups ici pour enlever l'encre. Et puis, on y va comme ça ici. Regardez. Pouf, pouf. Hein? Pouf. Ça remplit notre plate-bande. Hein? Bon. Voilà. J'enlève toujours l'excès d'encre pour avant de nettoyer avec mon petit chiffon. C'est juste ça que je voulais vous dire. Je le rince avant ou je l'envoie avant sur un. Je l'étends sur un papier. J'enlève l'excès de l'encre comme ça. Mon chiffon, il est moins taché. Et puis, on y va maintenant. On peut y aller avec le message parce que moi, là, ça me fatigue bien gros cette affaire-là. Je vais y aller avec mon gros. Je vais dire. Celui-là, c'est ça. C'est le bonjour à toi. Et puis, je l'avais mis dans le foncé. Puis, on y va comme ça. Puis là, je vais juste m'assurer que je suis droite, là, Claudine. Alors, lui, ça va être l'intérieur. Finalement, lui, ça va être l'extérieur. Alors, je vais y aller comme ça ici. Puis, regarde, on ne voit plus mes petites gaffes. Alors, comme je disais, je peux enlever l'excès. Comme ça. Et puis, j'y vais, je nettoie sur mon petit chiffon qui est encore mouillé. En le gardant dans un coffret comme ça, là, de jus d'étampe, ça garde le chiffon longtemps. L'éponge. Et puis, je vais essayer juste après le cours, la session. Et on termine avec les petits papillons. Puis lui, le devant, on va l'estamper par après. Alors, je vais fermer ça pour ne pas avoir d'accident. Puis je vais y aller avec mon brune dune pour estamper les petits papillons. Alors, on y va comme ça. Puis là, on va y aller comme ça. Tiens, comme ça. Pas le papillon. Puis, lui, ça va être plus dans le haut. Mais, tiens. Oups. Voilà. OK. Alors, on a fini avec l'estampage. Sauf, comme je dis, le message sur le dessus. Et puis, je vais nettoyer. On va y aller maintenant avec la base à carte. On met ça de côté. Puis, on pourrait faire là, on pourrait coller, mais on va y aller comme ça ici. Bon. Alors, lui, bon, on pourrait coller ça. Parce que ça, d'habitude, là, je dis tout le temps d'estamper à plat, mais ça, c'est vraiment à plat. Ce qui est important, c'est pas mettre de colle qui va être raboteux là, si, quand on va estamper notre massage. Alors, je vais y aller avec dans les coins. Comme ça ici. Je vais centrer. Vu qu'il n'y a pas vraiment de manipulation, je ne mettrai pas de colle liquide. Parce que normalement. Oh. Lui, vu que je l'ai fini, je peux en mettre un dans le milieu. Alors, il va comme ça. On met au centre. Bon. Alors, voilà. On y va comme ça. Maintenant, on y va en passage. Je prends mon coupe-papier. Bon. J'ai tellement... C'est ça, j'ai du classement à faire sur ma table d'atelier. J'étais en plein nettoyage, là. Fait que c'est... Alors, j'ai dit que c'était vraiment 11. Hein. On va juste s'assurer que je ne me suis pas trompée. La mesure est vraiment 11. Alors, ça veut dire qu'à 5,5, on fait un pli ou une ligne d'embossage qu'on forme. Et puis, là, après ça, on le plie. Moi, je m'accote toujours sur mon coupe-papier pour que les deux extrémités se rejoignent. Puis que quand je plie, ça ne dépasse pas. Vu que je l'ai accoté comme ça. Sinon, il y aurait avec nos doigts. OK. Alors, ça, c'est pour ça. Ensuite... Bon, on pourrait y arriver, puis on dit on colle notre carte à l'intérieur.
Alors, il va de nouveau comme ça ici. Puis lui. Et j'y vais comme ça. D'habitude, je suis debout. Voilà. On attend pour l'extérieur. Puis on va faire le petit papier. Alors, la petite pochette comme ça. On arrive, puis on s'assure qu'on a taillé notre papier, la direction, le sens de direction. On le respecte, là, c'est-à-dire on fait attention que c'est comme ça qu'il va être fait, OK? Alors, on va mettre un petit pli. Je l'ai dit, il n'est pas écrit. Oui, à 5,5. Non, à 3... 4 et 1 huitième et 8 et quart. Bon. Alors, on veut vraiment qu'il y ait un quart de pouce dans une extrémité. Là, elle avait fait le pli. OK. Un quart de pouce. On pourrait le faire à l'autre extrême. Regarde. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait la dernière fois. Alors, on y va avec un quart de pouce comme ligne, première ligne d'embossage. Puis, ensuite, on y va à 4 et 1 huitième. Alors là, je m'en vais de ce côté-là. Ça, c'est j'ai mon premier pli. Qui est finalement à 8. À 8. Oh, t'en ai un petit peu. J'ai fait 8,5. Bon, mon papier design est supposé être 3 quarts par 8,5. Bon, alors j'ai pas fait ça comme faux, là. Une chance. Parce que si j'arrive, puis je le plie comme ça. Et oui, c'est ça. Ah, bon, alors Claudine, elle a fait une erreur. Comme d'habitude. Je vais reprendre un autre papier ici. Alors, je vais prendre un papier ici. Tiens, je l'ai mesuré. OK, on va serrer. Je lui vais aller pour un autre projet. Alors, comme je disais, c'est un papier de 3 et quart par 8,5. Alors, je vais arrêter comme ça ici à 8,5. Puis, je le reprends ici à 3 et quart. Et puis là, j'arrive, je tourne comme ça ici. Comme ça, je vais éviter de tout couper le papier. J'ai tellement de retard. Comme ça ici. Voilà mon papier. Est-ce que je l'ai bien taillé? Oui. Bon, OK. Alors, on va scorer, faire une ligne d'embossage à 3 et quart. Alors, j'y vais comme ça ici. Je regarde à gauche. Et je fais ma petite ligne. Non, à 4. Bon, pas un autre. Ça, c'est le papier Claudine. À 4 et 1 huitième. Une chance que je vous fais une fiche technique. 4 et 1 huitième et 8 et quart. Bon. Je ne vois pas tellement bien non plus parce que je fais mes vidéos puis j'ai la clarté du jour qui rentre. Fait que j'éteins mes lumières pour ne pas créer d'ombre. Sinon, j'ai des reflets, des ombres. Alors voilà, bon, finalement. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'avant de coller, on va arriver puis on va prendre la perforatrice de son choix. Et puis là, on s'en va se centrer. Le papier. Alors, c'est pas rien de trop précis, mais là, finalement, lui, c'est quand même assez facile. C'est sous la cote. Alors, si c'est une perforatrice de Stampin' Up, ça devrait faire la même chose. Ça fait que ça, on le conserve, ça peut être une petite étiquette pour autre chose. Voilà. Puis après ça, il va mettre un peu de colle liquide, un petit filet. J'irai plus avec ma bouteille de précision. Vu que c'est un petit filet. Et puis, je vais le mettre plus vers le pli, milieu pli que le rebord, pour pas que ça accroche, pour pas que ça colle sur ma carte. Et puis là, ce que je fais, c'est que je fais un test. Fait que c'est ça, quand je le ferme, comme ça ici. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire attention pour que je colle juste un petit peu avant le pli. Pour laisser un peu plus de lousse. Puis ce que je fais, c'est que je passe ma carte aussi à l'intérieur. Alors, on a juste à passer notre carte à l'intérieur, comme ça ici.
Et puis là, je continue de frotter pour m'assurer que ça colle bien. Puis en même temps, je le bouge pour m'assurer que ça colle pas. Il n'y a pas de colle sur mon carton. Tout est beau. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit ruban de son choix et on le glisse à l'intérieur, comme ceci. Et puis, c'est un petit ruban mince. Alors là, moi, sur le coup, je me dis, ah, mettre un petit ruban, là, il me semble que ça va créer une épaisseur qui va faire que je vais avoir de la difficulté à passer mon carton ensuite. Mais non, lui, il est mince. Alors, un petit ruban de votre choix mince, parce que celui-là, comme je dis, il est retiré, mais il y en a un beau dans le catalogue. Il y en a toujours des beaux. Alors, puis moi, je me dis, avant de couper, je fais ma boucle. Comme ça, je ne fais pas trop de gaspillage. J'en prends, puis que je m'assure que j'en ai assez long. Je n'ai pas trop long. Fait que je me dis, OK, je n'ai ça assez pour faire une boucle ici? Oui, OK. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un point de colle. Puis je vais mettre un petit point de colle sur le dessus pour que mon ruban reste. OK. Alors ça, c'est la carte-là qui est vraiment différente. Elle est fun pour offrir en cadeau. Hein? C'est sûr. Mais elle est toute occasion, c'est ce que je voulais dire. C'est que choisissez le message de votre choix. Moi, l'échantillon, le kit que je vous envoie, si vous commandez, qui est préassemblé, il n'y a aucun estampage. Alors, vous allez avoir tout le matériel pour le créer, sauf l'estampage. Alors, créer, comme moi avec le papier à motif, j'ai le jeu des tempes qui s'agence bien avec. Mais sinon, vous choisissez l'étampe de votre choix. Vous pouvez aussi commander l'étampe sur la boutique avec le papier. Alors, il y a ce choix-là. Sinon, ben, vous pouvez arriver et prendre quelque chose. Ça change bien. Un feuillage. Puis là, je vais faire le tour. Puis là, curly. Puis là, vu que mes ongles sont amochés. Et des fois, hein, notre santé, elle nous fait des signes. Avec l'état des ongles. Puis ça là, oh, elle est vraiment cute. Hein? Je l'ai faite plus petite. Puis là, je vais prendre mon ciseau à tissu. Et puis voilà. Je peux retailler un peu en angle. Alors voilà ma petite insertion. Puis là j'ai mis le ruban. J'aurais pu attendre puis faire mon estampage, mais là, j'étais trop préoccupée à finir ma petite pochette. Alors, vous pourriez le faire après. Moi, c'est parce que je voulais l'insérer tout de suite. OK. Alors, vous voyez, comme ça ici. Bon. Alors là, ce qu'on fait, c'est que on colle. Mais avant de coller, moi, ce que je vais faire, je vais l'estamper avant de coller. Parce que des fois, là, on estampe directement, puis là, ça l'a pas bien estampé. Alors, si on arrive, qu'on le colle, puis qu'on l'estampe, ben, puis que là, on veut le refaire, là, ben là, on arrache le carton. Alors, voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je m'enligne, puis là, je le mets, ma petite pochette, comme ça ici. Je me dis, je veux que ma petite pochette, elle reste comme ça, offrir en cadeau, plus haut, plus bas. C'est à votre goût. Vous pourriez le mettre comme ça. Ben là, cette fois-ci, lui, je l'ai donné plus au centre. Lui, je vais le mettre plus en bas. Comme ça, on voit le rebord du feuillage puis les petits papillons qui s'envolent. Donc, je vais prendre maintenant juste une note que je vais reprendre avec horizon de bruyère pour estamper mon petit message. Puis là, des fois, là, c'est comme j'ai dit aux élèves, là, quand vous n'êtes pas certain, là, vous estampez pratiquez une fois là, sur le papier pour voir comment que garder la petite marque, là, tu sais, ça, c'est une autre fois, ça. Oui, OK. Tout est beau, j'ai assez d'encre. Alors, je vais juste me centrer. Bon, puis là, je voulais juste voir si j'étais bien centrée sa caméra aussi. Alors, on y va comme ça, on enlève l'excès d'encre.
Puis, on le nettoie. Oh, hein, l'accident, Claudine, t'as pas été fort. Un coup d'homme. Hein? Voilà. Bon, je pense que je l'ai terminé. Alors, on pourrait y rajouter des petits bijoux, des petits papillons. The sky is the limit, hein, à terminer, à rajouter, c'est-à-dire des choses, personnaliser encore plus la carte. Mais voilà, c'était mon projet d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez aimé. Et puis, comme je vous dis, vous avez jusqu'à jeudi pour obtenir le prêt à créer. Le projet prêt à créer dans une petite enveloppe et puis que je vous glisse avec un petit cadeau. Et puis, c'est un petit cadeau comme ça ici dans une enveloppe. Je vous glisse le tout matériel pour le faire, le projet, avec un petit signet qui représente les teintes in color de cette année, de Stepping Up. Et puis, ceci dit, je pense que j'ai terminé. La table à l'envers. Mais voilà, c'est le thème. Hein? Alors, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé. Encore une fois, je me répète. Et puis, thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Partagez la bonne nouvelle. Et n'oubliez pas de vous inscrire à mon infolettre si ce n'est pas déjà fait pour recevoir ma fiche technique d'aujourd'hui. Alors, merci. À bientôt.